Téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir. Un plaisir pour nous de vous retrouver à l'émission Écho des Arts. Aujourd'hui, on va parler de la 18e édition du Festival de théâtre 4 chemins. Ces points et bien d'autres encore seront développés après la pause. Pour vous informer de tout ce qui se passe dans le monde culturel, branchez-vous du lundi au vendredi à compter de 8h45 PM sur la télé Pacifique à l'heure de l'émission Écho des Arts. Littérature, peinture, musique, danse, théâtre, potin de star, tout est au rendez-vous à Écho des Arts du lundi au vendredi à partir de 8h45 PM, reprise 1h30-1h45 AM, 7h30-7h45 AM. Écho des Arts, votre projecteur artistique. Merci de nous rester fidèles. Nous débutons l'émission avec une note. Compte tenu de la situation sécuritaire de la capitale, la Fondation Haïti Jazz a pris la douloureuse décision de reporter la 16e édition du PAP Jazz, Festival international de jazz de Port-au-Prince, à une date ultérieure au cours de l'année 2022. Qui est contre l'égalité? C'est sur cette interrogation que les organisateurs ont lancé la 18e édition du Festival de théâtre 4 chemins dans les locaux du Centre d'art. Une équipe d'Écho des Arts était sur place suivant. Va, ma fille, retourne à la vie. Les corps chantent, les voitures vont et viennent à Bourdon. Corps aux feuilles, balance! Soulevant les oreilles secs de poussière. Son droit dans la foule. Mais nous ne nous reverrons plus. Je suis heureuse que tu sois revenue à moi, si grande, si changée, avec tes hanches larges et tes seins de femme. Il ne te reste que ta longue jambe qui rappelle peut-être ce que tu fus, Damine. Mais tes lèvres sont charnues maintenant et elles feront tourner la tête de garçon. Je reprends ton nom de souffrance, ma fille. Tu peux me le confier. Tu n'es plus la fille ravage. Tu n'es plus le silence consterné de la place Sainte-Anne et l'angoisse meurtrie de ta mère qui ne sait où elle dormira avec son nourrisson de 4 jours. Tu es Solange, fille de la ville. Tu marches lentement, côté de toi, reine en serrure qui ne te salisse plus d'aucune poussière. Son édition très particulière parce que son édition qui sous femme, qui sous égalité femme à garçon. Ça fait longtemps que nous avons posé une question ça, qu'il en a travaillé pour mesdames, qu'il en a pensé avec mesdames. Et je pense que nous ignorons le rôle, mais le rôle est important. On a de même posé une question pour qui ça, même dans le Parlement, il y a 2 femmes, 3 femmes, et pays y en a un état ça. Peut-être que nous avons posé une question pour nous avoir plus de place. Son société femme qui lève tout le monde, son société c'est femme qui occupe même Mario, son société c'est femme qui garde Kaila, qui connaît l'éducation. Nous voulons vraiment, à chaque fois que nous faisons le festival là, nous posons une question sur un domaine nous t'a dû toucher. Un domaine que nous t'a dû intéresser. Avec l'année passée, c'était sous ville là, état ville là. On t'a appelé tomber, nous pas en ville encore. Tremblement de terre nous faillit. Anessa, nous devons travailler sous condition, mesdames. Ouais. Je regarde le monde, on aime la mort aujourd'hui. Elle nous murmure que nous pouvons mourir par surprise, arrachés, sans rien pouvoir faire. Doucement, nous habitons le tourbillon. Nous regardons le monde sans plus le comprendre. Les hommes, souvent plus jeunes que nous, tirent dans la rue et se filment en souriant, se donnent des noms de guerriers, se félicitent de son merci. Bon, ben, c'est nous pas jouer une réponse et nous pas quoi, nous pas fin jouer toute réponse. Par contre, il y a des gens qui touchent.
y a des gens qui changent, il y a des gens qui ont une autre approche sous question. Par exemple, sous question maltraitance, même les gens dans le bureau nous ont maltraité, ils ont compris que y a une autre éducation possible. Je me conseille de nous faire maintenant. Je suis en train de travailler sur la question de maltraitance de monde. Dans toute radio, je me dépasse. Même Valérie Lima, je ne profite pas de la papa. Je dis papa. Je suis papa, je me suis marqué d'homme. Donc, ouais, toute société a été subile. Et je pense que c'est poser des questions d'égalité, qui sont des questions plus compliquées toujours, des questions plus épineuses. Parce que les garçons ne veulent pas d'accord que vous maltraitez mesdames. Ils ne veulent pas considérer mesdames comme égales. Même ça qui est plus intelligent, les laisser comprendre, ils ne veulent pas l'accepter. Pourquoi ils ne veulent pas l'accepter? Parce qu'ils sont, parce qu'ils sont avantage voulu. Il ne veut pas. Cette cérémonie de lancement a été animée par le musicien guitariste Wooly Saint-Louis Jean. Suivons un extrait. Expérience et détermination sont les mots exacts pouvant décrire Nadia Baptiste, Miss Cross Haïti, que nous avions eue dans nos studios au micro de Estimé Yves et de Jovenel Destiné. C'était une très belle expérience qui te permet et moi bah le meilleur de moi-même et de me développer personnellement, qui fait que je suis comme une femme qui est déterminée et qui est très motivée. Moi, je voulais vendre une image positive de moi-même en tant que femme émancipée. Moi, je voulais mettre acquis intellectuellement en valeur et faire et défendre les marginalisés, opprimés. En 2018, moi, j'ai participé à Miss ANDC. Donc là, je commençais à apprendre. Bien que moi, je arrivé dans la finale, je pas comme si j'ai rien à même vraiment vrai me battre première de fin mais moi t'ai apprendre donc les m'apprendre note toujours donc moi final dans Miss West Haiti 2019 moi pas arrivé dans finale toujours donc m'apprendre toujours et puis me dit bon 2020 m'a pas participé mais 2021 m'a participé pour m'apprendre une couronne parce que dans tout ça m'apprendre yo m'bral comme si cultiver yo pour capable vinn produire un bagage qui positif là quand moi il produit réellement moi remporter et victoire là quand moi et c'est moi qui miss et moi gagne couronne si m'ai un message que m'a dit une jeune fille m'a dit que personne pas tracer destin pour personne pas pédo vraiment plus motivé et faut nous gagne aspiration tout mesdames dans la vie si nous pas gagne aspiration nous pas gagne ken côté dans privé ça veut dire nous pas gagne rêve nous pas gagne vision que chaque jeune fille m'a dit là apprendre pour nous rester déterminé motivé et gagne plus détermination dans la vie nous et faut nous gagne aspiration rêve pour personne pas bloquer nous pour personne pas définir vie nous pour nous c'est nous pour définir vie nous. Le coordonnateur Jean-Claudel Mérisma était aussi de la partie. Il nous a confié ce qui a fait la particularité du concours Miss Ouest Haïti. Suivant. Concours, c'est un concours idéal même sorti de moi.
de coordonnateur et qui rassemble ensemble des jeunes et dans Port-au-Prince. Et je crois que nous sommes quatre pionniers. Nous avons parlé de Mme Delatour, nous avons parlé de délégué Yuseline Guillet, moi-même et puis l'ex-secrétaire d'État à la communication, M. Jackson Alexis, que nous avons rassemblé un côté dans Delma pour nous dire que nous voulons venir avec un autre bagaille par rapport avec tout problème que nous avons jeunes. Ça que nous vivons aujourd'hui comme acculturation. Et nous avons dit que, via avec l'autre concours que nous connaissons dans le temps, dans le côté les max, ensemble de concours que nous gagnons, mais nous avons pourtant l'autre touche tout, parce que nous avons dit que le concours Miss West Haïti, ce n'est pas seulement mon bras ou beauté, mais c'est contre qui ça qui est caché en dedans, enveloppe concours Miss West Haïti. Pour nous arriver et Miss West Haïti, il faut que les grands projets que les capables vendre. Et c'est ça, ou c'est l'idée ça qui est venue sous table, qui fait que je dis nous gagnons et Miss West Haïti, que nous avons la quatrième édition. Plus loin, il a annoncé de nouveautés pour la cinquième édition du concours Miss West Haïti qui sera grandiose, si l'on se fie à ses propos. Miss West Haïti, d'abord, dans le mois de décembre, là, nous prenons le tapis rouge, côté nous prenons nos 4 Miss que nous gagnons qui passent pendant 4 années. Ensuite, nous gagnons un projet tout qui prend là-dedans. Avec Trapoza et qui c'est une fondation tout que nous gagnons qui a poussé Miss Westland côté nous pour honorer des jeunes qui eux même qui sorti il y a parlé de génération 2000 jodi hein, mais c'est pas un gros événement que nous déjà annoncé tout le monde que nous souhaitons tout le monde capable présent. L'autre projet que nous gagnons pour 5e année qui pour c'est 5 étoiles que nous déjà dit que nous annoncé pour l'année prochaine, nous souhaitons 20 communes finalement dans l'Ouestland capable participer. C'est ça que fait nous pour élargir casting nan, à Cayen, nous pour élargir le Grand Guave, Tigouave, et c'est à travers casting ça que nous pour gagner pour 5e année qui pour monter dès qui va monter dans quelle ville pour nous capables d'organiser 5e année. En dans Miss West Haïti, nous avons Miss Environnement qui va travailler tout sur des projets. Ensuite, Miss Lan lui-même, tout bon côté, parle qui a un projet pour retourner dans la communauté. C'est des projets que nous avons gardé et puis nous avons gardé l'avenir ensemble avec eux pour nous capables de garder exactement qui côté nous sortir avec Miss West. 5 années après, nous allons essayer d'élargir nous plus pour capable de plus jeunes participer avec nous pour, j'en nous dis, nous capables de sortir de l'ombre. Il y a un numéro que vous pouvez joindre moi, c'est 31 13 32 79. En même temps, vous avez aller sur la page Miss West Haïti sur Facebook, vous avez ton message. Et puis, nous avons l'autre numéro de contact qui est sur la page. Vous êtes connecté avec nous pour connaître la 5e année. Nous souhaitons plus de jeunes dans l'Ouest qui participent dans le concours Miss West Haïti. Et vous n'avez pas besoin de paix, c'est 20 de tête parce que le plateau a arrêté pour vous. Nous disons c'est retirer en bas de table, mettre en l'air pour les gens capables ou en même temps pour capable commencer à faire connaissance avec le public. Là où il y a volonté et détermination, il y vient le pouvoir. C'est le cas de Jameson et Claire Sidor, deux gamins utilisant leur imagination pour fabriquer des sacs et des maisons avec les moyens du bord. Suivant. Donc on fait géométrie dans l'école, nous, et nous tout capter la tête, nous, même si on a fait ça tout, nous tout fait la tête, nous. Et ou même combien de temps ou prend pour faire belle maison ça? Quand ça va regarder à la, lui prend paquet de pensées et pour nous faire quand ça, nous prend 2 jours. Dès que faut nous mettre penser à notre tête nous, mais ça pour nous mettre de quoi les nous faire pour mon cas en vie ouel, pour pas en tenter nous faire et juste et 2 jours nous prend pour nous faire quand ça. Okay. Mais est-ce qu'on utilise les mêmes principes pour découper Kyle en tout? Est-ce que c'est avec les mêmes matériaux que Marco fait Valisan? Est-ce que c'est avec les mêmes matériaux que vous-même au travail? Oui, et même côté nous travaillons, nous devons toujours travailler. Tant que là, du cap coup de bord Valisan, moi je commence à tracer ma petite baille pour finir le fini. Pour la coller pas là, moi je ne colle pas, mais pendant la fête étoile, moi je fais barrière. Et puis, comme ça, nous venons travailler à nous dire. Combien de cobs vous pensez que vous avez vendu maison ça? Maison ça, m'acheter col, m'acheter décoration, je vais vendre trois chèques, je vais vendre $250. Qui ça a pris ça? Ou m'a pris ça? Parce que m'a pris ça, de quoi l'aime vendre, je vais acheter, mais tout le toujours, et je vais pas emmener qui vous aider. S'il pas gain pour le mettre pour payer l'école moi. Okay. Est-ce que c'est pas ou te wè un monde te fait devant bien on est juste levé au joindre ça et pour faire comme ça? Non, nous pas on fait devant et un jouet comme ça nous fait
à imagination nous et puis nous faire un petit petit qu'on a fait grandir n'a fait go n'a pas l'autre go et caille réel qu'on a fait mensonge. Et voilà, merci d'avoir suivi l'émission Écho des Arts. J'espère que vous avez gros soucis dans nos racines parce que l'art illumine ce qui ternit dans l'ombre. Merci à Miraculeuse Productions qui m'est habillée. Pour tout contact, c'est le 47 56 71 36. Restez branchés, le reste de la programmation.